Bishut Moray Verabotai, il faut savoir une chose. Chacun de nous doit savoir qu'il doit toujours à Akadosh Baruch Hu quelque chose. Hachem nous a donné la vie. On lui doit la vie. Hachem, il nous donne de l'argent. On lui doit de l'argent. Hachem, il donne la santé. On lui doit la santé. Il nous a donné des enfants. On lui doit nos enfants. Hachem, il nous a donné Baruch Hachem une femme. On lui doit notre femme. On doit toi, Hachem. Lui, il ne doit rien. Beaucoup de fois, on exige d'Hachem des choses. Hachem peut te dire, je ne suis pas obligé de te donner, je ne dois rien. Pourquoi que je te donne? Et mes amis, lorsqu'on respecte Torah Mitzvot, alors il nous doit quelque chose. Et c'est ça la paracha. Hachem dit, si vous respectez la Torah, vous étudiez la Torah, vous faites mitzvot, alors je vous dois. Mais la tête qui je fais, je vous dois la pluie, je vous dois le chaleur, je vous dois la paix, je vous dois tout. C'est dire à vous dire que la chimie, on vit dans un monde où il y a beaucoup de Hetzahara. Et combattre le Hetzahara, c'est pas facile. Les tentations du présent, les tentations de chaque jour, ils sont énormes. Ils sont énormes, énormes, énormes. Donc, Donc, le Sachem, il voit que malgré tout, on respecte Torah et Mitzvot. Alors, il nous doit. Et non seulement, il nous doit, il nous donne ce monde-là, mais il nous garde. Le bonus de là-haut. Et le bonus de là-haut, il n'a pas de prix. À tel point que on dit dans Pekka Avot qu'une heure de plaisir dans notre monde, il vaut des milliards d'années de plaisir dans ce monde-là. Une heure de plaisir dans notre monde. Une heure. Alors dommage. Perdre toutes ces heures. Et là, c'est le Tsar. Le Tsar, il dit, qui te dit qu'il y a quelque chose là-haut? Allez, pourquoi t'as été là-haut? Quelqu'un est venu là-haut pour nous dire? Le Tsar est très fort. Le Tsar, il décourage la personne. Il ne faut pas se décourager. Parce que grâce à Dieu, on a l'Emouna. On a l'Emouna de les Tzadikim. On sait que les Tzadikim, ils sont là-haut. Et lorsqu'on a un problème, on prie par leur mérite. Alors, puisque tu crois qu'ils sont capables de te répondre, ils sont là-haut, tu sais que toi aussi tu vas aller là-haut après 120 ans. Mais où là-haut tu vas aller? Là où ils sont eux, ou là où il y a, que Dieu préserve, ceux qui sont punis? Alors, fais attention, il ne faut pas te contredire. Mes amis, Baruch Hashem, chaque maison il y a une mezouza. Cette mezouza-là, elle nous rappelle. Parce que des fois, on est un peu spécial. Dehors, on fait attention, il y a des gens qui nous regardent, alors on se comporte d'une manière un peu bien. À la maison, on dit personne ne nous voit. Alors je peux faire n'importe quoi à la maison. Par exemple, moi, David Pito, j'ai une barbe, voilà, vous voyez. Vous savez ce que je fais à la maison, personne ne le sait. Je peux vous tromper, hein. Je peux faire que des bêtises à la maison. Et dehors, je me comporte comme un rapéhi Pito. Mais c'est pas vrai. Alors la mezouza, elle me rappelle. La mezouza, elle me rappelle à David. Tu ne peux pas être dehors comme un tzadik et ici comme un racha. Fais attention. La mezouza. Et c'est la raison pourquoi, mes amis, Hachem, lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, à cause du Baruch Hu, il a dit aux Juifs de mettre de lorsqu'ils vont égorger l'agneau pascal, de mettre le sang à lui à la porte de la mezouza. Pourquoi à la porte de la mezouza? Quelle est la raison? Eh bien, la réponse, elle est que lorsque Hachem va descendre en Égypte pour punir les premiers-nés égyptiens,
il va sauter la maison juive. Parce qu'il va voir la mezouza, il va la sauter. Il va la sauter. Alors, la question se pose. Pourquoi Hachem, il a besoin de voir la mezouza pour qu'il saute, mais Hachem sait que j'habite là-bas. Moi, peut-être moi, j'ai besoin d'un numéro d'une maison pour trouver l'adresse de quelqu'un, mais Hachem, il connaît tout. Hachem, il sait tout. Hachem, il sait tout, 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 tout. Tout. Alors, pourquoi je dois mettre là-bas le sang à la porte de la mezouza pour que Hachem y voit le sang? La réponse, elle est, c'est que c'est le sang qu'on met à la porte de la mezouza lorsqu'on était en Égypte, c'est pour qu'on se rappelle nous-mêmes que c'est pas parce qu'on est à l'intérieur qu'on peut faire ce qu'on veut. Parce que Hachem, il sait qu'on est là. Et Hachem, justement, Hachem, il veut sauter notre maison parce que nous, on fait attention à notre religion à l'intérieur de la maison. C'est-à-dire que Hachem n'a pas besoin de voir ce son-là. Hachem, c'est tout. Mais c'est pour nous rappeler à nous, pour que nous, on se rappelle que Hachem, il va sauter cette maison. Parce que beaucoup des fois, malheureusement, l'être humain, il oublie Hachem. Il oublie que Hachem, il existe. Il oublie que Hachem, il le voit. Alors, quand je vois la mezouza, je me rappelle, oh, Hachem, il me regarde. Hachem, il sait que je suis là. Hachem, il sait ce que je fais. Donc, moi, David Pinto, lorsque j'étais en Égypte, je savais qu'il y avait la mezouza, le sang de l'agneau à la porte, du côté de la mezouza. C'est pour que je me rappelle que Hachem, il n'a pas besoin de ça. C'est moi qui ai besoin de ça pour que je me rappelle que Hachem, il me regarde. C'est ce qu'on dit. N'oublie pas, il y a des yeux qui te regardent. Il y a des oreilles qui t'écoutent. Et tout ce que tu fais s'écrit dans un cahier qui s'appelle David Pinto, Moshe Ben Aroche, je sais pas quoi. C'est très important de savoir ça. Il y a un Baal HaBayit, un patron. Voilà, mes amis. Ben, c'est Hachem que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous la santé. Bracha Ben Aroche.